Yo tout le monde, donc Valence pour la suite du petit RP. Donc là on va embaucher un autre salarié parce que on a été bien payé Ah, par la dame. Ça fait l'entreprise a bien plaisir. marché. Ça a bien marché, donc on va récupérer la personne, on va lui donner la voiture de fonction au nouvel employé et puis voilà. Ça fait plaisir. Et on Ouais, a un c'est nouveau parti, chantier usine encore. 1000. Eh ouais, tout le temps Vas-y. des nouveaux chantiers, tous les Il jours. faut, il faut. Vas-y, à personne, on peut y Ouais, aller. vas-y à personne. On peut aller, c'est parti. C'est parti. Mais comme je t'ai dit dans la première vidéo, Oui. la personne qu'on va voir, c'est mon pote là, que je t'ai dit, Ah, qui a qui travaillait dans le les bananier. bananiers là. Ah, c'est nickel, du coup, Ouais. t'as pu négocier et Eh tout. oui. Ouais. Bon, c'est nickel, on va la rejoindre. Puis je crois que c'est pas loin, si je me trompe pas. Non, c'est pas très loin. C'est C'est pas nickel. très loin. C'est à 10 minutes, même pas. C'est nickel, À l'entreprise peine. va s'agrandir. Ah ouais. Ça fait plaisir. En plus, ce que je lui ai pas dit, c'est que. En fait, il sait pas qu'on a des voitures de fonction. Ah, on lui a pas Il dit, croit donc il va être content que justement. on a que des voitures et qu'il va venir par exemple avec moi ou toi, tu vois. Ouais, donc voilà, justement, Là, ça fait j'ai appelé plaisir. Ford. Ouais. Et là, on va le ramener. Elle va être contente, c'est nickel, on va l'amener au garage et tout. J'espère qu'il fera du bon boulot parce que les voitures sont quand même super chères. Pas gratuit. Pas gratuit. J'ai du mal à freiner là un petit peu, je sais pas ce qui s'est Pas passé avec du les freins. Il y a un petit problème, mais ça va. petit problème, ça va. Ah, si c'est un problème avec la voiture, tu me le dis, hein. Non, non, Dans les c'est juste garanties, là. non, non, c'est juste Les les freins là, il y Il faut que la a. meilleure des garanties. T'inquiète pas. Ouais. Il suffit de les régler et ça va nickel après. Dérégler, ça va. C'est moi, j'ai pas réglé mes freins, tout ça. Là, on est bientôt arrivé. Voilà, Ça on va, se il y a. rapproche, là. Il y a un petit peu de monde, mais aujourd'hui ça va, ça a l'air d'être calme quand même. Ça va, ça va. Ah Comparé à la dernière fois là avec l'autoroute, je sais pas si tu t'en rappelles, mais. putain, la dernière fois c'était abusé. C'était la misère, mon gars. Les heures de Oh. pointe là. Laisse tomber. Laisse tomber, c'était la galère. En plus, il fait beau, on a de la chance. On a le soleil avec nous, mon gars. Ouais, Et il ouais. fait super beau. Elle est où l'entrée de son Ah là, on va bananier? tourner. Ah, je me doutais que c'était par là. Ok, on est arrivé, c'est nickel. Il m'a dit qu'il nous attendait devant avec sa voiture. Regarde, Ouais. regarde tout ce qu'il a. Ah ouais, mais mec. Regarde tout ça. Ah ouais, mec. Y a de quoi faire. Ça, en un mois, si on arrive à vendre une bonne partie là, en un mois, Y a de quoi c'est faire. parfait. Oh, yoï. Ouais. Ah là, y a moyen d'acheter une autre voiture en plus. Hein, avec ça. Ah ouais. Bon, là, on est dans les crédits hein, encore, mais. Un jour, on va s'en sortir de ces crédits. Faut les rembourser tous ces crédits. J'avoue. Ah, mais il est là. Ah, nickel. Ah, nickel. Parce qu'il a pas voulu nous attendre dehors. Et il s'est mis dans sa voiture tranquille. Ah, Bonjour. salut, ça Salut, va? salut. Salut. Ça va et vous? Ça va, ça Ça va, ça va. va, ça va. Content de commencer le Ouais, travail bah du coup, aujourd'hui? je monte. Ouais, du coup, Bon. je monte avec qui? Bah, monte avec moi. Il y a une Allez. petite surprise. On a une petite surprise. Ouais. Bah, il faut pas le dire, hein, mais. Surprise pour toi. Faut pas le dire, hein, Ah, pas dire. Ouais, Bah, allez, je pense que monte. tu peux lui dire, hein, je pense. Tu peux lui dire, Ça y hein, est. ça y est. On Je pense que tu va peux lui attendre, dire. hein. On va attendre. Ah, on va attendre. T'inquiète Ah, pas. on va attendre. On Ah, va bon, bah, attendre. s'il faut attendre. Ouais, bon, c'est parti. Allez, hop. On va faire demi-tour, hein. Attention, pardon, il n'y a pas d'arbre, c'est bon. T'as des belles, ta Chevrolet là. Ah, bah là, ouais. Ah oui, j'ai investi, hein. Ah, il faut. Est-ce que ça consomme beaucoup ça? Ça dépend, si t'accélères, ouais.
Ouais, Un c'est un peu galère potable. des fois. Bon, t'es patine, hein? Eh, patine de fou malade. Donc, pour les bananiers, c'est bon. On pourra les. Ouais, on pourra les cueillir couper. Et. Ouais, les couper. C'est nickel. Voilà, exactement. Et t'as vu ça où? Héritage. Ah. Ah ouais, l'héritage, là, il fait plaisir. Il se fait du travail. Ah, c'est un bel héritage quand même, ça va. Puis t'es pas loin de la ville et tout. Ah, il a bossé aussi. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Mais au moins t'es pas loin de la ville, pas trop loin du Festival Horizon. Pas du tout. C'est nickel. Avec pas mal Les d'hectares. Soirs, ça bombarde. Ah bah là ouais, là ils se font plaisir. Bah, Sauf que là les jeunes ils se font plaisir. Là ça rigole pas du tout. Et du coup vous la boîte ça a grandi hein, je vois. Bah il faut justement pour rembourser les crédits tout ça. Ah ouais. Ah il faut sinon on va pas s'en sortir. Presque 1 million hein, à rembourser. Hein. Ah ouais, là ça commence à être. Et encore la dame elle nous a quand même bien payé ouais. Sinon on aurait pas pu embaucher une personne en plus. Une dame est super sympa. Une fois par mois elle a besoin de nous la dame. Environ. Donc du coup c'est cool ça nous aide un ça petit fait peu. Un client sûr, quoi. C'est ça. Ça fait un client sûr et puis bon elle est sympa et tout donc voilà. C'est cool. Puis bon tu sais s'il y a un problème ça la dérange pas trop. Si on arrive en retard c'est pas un drame, voilà. Toujours le petit café et tout ça quand on arrive. Ah ça fait plaisir. C'est plaisir d'avoir des clients comme ça qui sont conviviales on va dire entre guillemets. C'est pas souvent. On est bientôt arrivé, t'inquiète pas. Ok, ok. Bon, je pense que de toute façon, tu vas tout de suite reconnaître hein, quand on y sera. Je pense que tu vas pouvoir le doubler là, non? Ah non, il y a aussi une. Oh, vas-y, on s'en fout. C'est pas grave. Là c'est bon, on peut jouer. Tu commences juste un peu avant. Ah, y'a pas trop les flics ici en plus, donc ça va. Surtout que les flics ici pardonnent pas tellement. Et ils veulent rien savoir. Une fois j'avais un cousin, il s'était fait choper. Bah là, il est plus en activité du coup, puisqu'il a plus de permis. Ah ouais, non, mais ils l'ont pas pardonné. Hein. Du coup, c'est plutôt compliqué. Ah là, si y'en a. On se rapproche du festival. Hein. Ah ouais, là, on ouais. se rapproche. Hein. Ils sont à toi, les bananiers, là, ou c'est un autre? Non, ça doit être quelqu'un d'autre. Non, c'est un autre, c'est un autre. Parce que je suis ah, parce que c'est loin. Ah ouais, non, t'imagines ah, sinon tout ce qu'il aurait donné. C'est ouf. Ah bah, y'a une banane en plus, tiens. Ouais. Stylé. Eh ben, normalement, c'est là qu'on va... On va passer les bananes. Stylé. C'est un petit commerce, on pourra passer là. Nickel, on pourra lui revendre, allez hop. C'est nickel. Vas-y, là, de toute façon, on est juste à côté, donc c'est bon. Je peux accélérer un petit peu. On va être arrivé dans la zone. C'est le festival ici, c'est la zone du festival, on peut accélérer ici. Ouais, ici, y'a moyen, ouais. C'est fait pour. T'as toutes les personnes qu'il y a? Ah bah là y'a du monde hein. Attends ça rigole pas. Exact. Ah mais ça nous fait un peu de la pub en hein, final. Ah bah un petit peu quand même. Exactement. Vas-y, sors de la voiture et... Y'a un petit truc pour toi. C'est ça. Ouais. Oh ouais. Ok bah je rentre là. A tout de suite. Ouais, à toutes. Ah ouais ok, j'ai un gros 4x4 aussi pour moi. Eh ouais. Oui. Ah bah oui, il faut, attends. Chacun sa voiture de fonction, ok d'accord. Chacun sa voiture. Ah bah oui, attends quand même. On fait les choses en grand. Comme ça, si un jour t'as un problème... Ça te plaît ou... Voilà, tu sais, c'est cool. Ah oui. Bien sûr que ça me plaît. Petite voiture de fonction. Ok, bah du coup, bon. Là, on commence le boulot alors. Bah là, on commence
tout de suite parce que j'ai juste de recevoir un appel et c'est pour des bananes du coup. Bah c'est nickel. Allez, on y va, c'est parti. On peut y aller. Juste deux secondes. Juste rentrer les coordonnées GPS. Aïe. Excuse-moi. Non, je te... Ah, je t'ai touché ? Ouais, j'ai un petit problème de freinage. J'ai voulu reculer. Fab, on retourne chez toi ? Bah oui. Il faut vider le truc là-bas. Ah, la photo vidéo. Allez, c'est parti. On retourne. Nickel. Bon, bah, on y va, les gars. Ça va pour ta journée, ta première journée de travail, c'est pas trop mouvementé. Non, ça va. Ça va, il y a pire. De toute façon, il faut bosser. C'est ça, il faut. Mais là, ouais, ça on va passe, faire. C'est pas trop compliqué à conduire. Beaucoup de kilomètres. Non. C'est pas ça trop lourd et tout. Mais t'as un Chevrolet. Ah, j'ai un Chevrolet, j'ai le tracteur, si vous avez vu, le camion. Ouais, j'avoue. Il a un petit peu l'habitude du coup. Forcément, ça fait plaisir. Petite voiture de fonction. Ça, c'est une vraie machine en plus, celui-là. Ah bah ouais, là, ouais, c'est fait pour. Il faut ce qu'il faut, sinon, bon, pour transporter des choses lourdes et tout, si on prend une petite Chevrolet, ah, ça va être compliqué. On pourra pas mettre grand-chose dedans. Ok, vous doublez. Alors moi, j'attends vite fait parce qu'il y a une voiture en face. Allez, go. Moi j'ai pile le temps donc ça va. Ça va, on peut parler tous ensemble, ok tout ça, les micros. Ah ouais. Comme ça si t'as un problème, tu sais que t'es en train de faire une livraison, que t'as un petit problème. De toute façon on a pris les meilleurs d'Aquitaine, okay. On a pris les meilleurs, le top du top. Toute option et tout. Ah ouais, attends, y'a pas le temps. Même ils peuvent te géolocaliser au magasin si t'as un problème. Nous on n'est pas, tu sais, on est en vacances ou quoi. Un problème avec le véhicule, ils peuvent te géolocaliser, trouver le centre le plus proche pour réparer la voiture et tout. Que des trucs comme ça. Il y a même ça, c'est nous qui l'avons mis. C'est Esri, c'est tous les plus compatibles. Ça, c'est genre un bouton. Quand on appuie dessus, c'est en fait on le met dans la voiture et quand on a un problème, on appuie dessus et là ça appelle directement l'hôpital et les urgences. On a un problème parce que dans les métiers de bûcheron, on a beaucoup de problèmes. Exact. Parce que des fois il y a des arbres qui tombent et tout, des choses comme ça. Ah, c'est pas le métier le moins risqué quand même. Il y en a toujours de toute façon, c'est pas le métier le moins risqué. Mais bon, c'est notre passion et voilà. Eh oui. Du coup, on est. J'aime bien, c'est. Ça vous a appelé. Ouais. Bah c'est nickel, hein, merci du coup. Ça fait plaisir. Et du coup on est encore loin des bananiers. Oula, lui... Non, on arrive 10 km, on est là-bas. Ah, nickel. Ouais, c'est très très proche. Hein. Alors là on est sur mon GPS, là. En plus le soir, c'est le côté des vues et le bombardement. Ouais, on est à 2-3 km, là. C'est nickel. Ah ouais, du coup c'est nickel parce que la nuit c'est vrai qu'il n'y a pas trop de monde. Ouais, en plus comme toi t'es un peu. T'es nouveau dans le truc, on va pas te faire trop travailler la nuit. Ouais. Quand même pas. Y a pas de soucis, hein. Ouais, on va quand même attendre parce qu'on sait jamais. On sait jamais s'il peut se passer des problèmes et tout. Ouais. Ouais, j'aurai pas le temps. Ah bah, je me suis fait flasher, tiens. Je savais pas qu'il y avait un radar ici. Ouais, c'est pas grave. Et tout ça, c'est à toi là, les petites maisons là ? Oui. C'est à toi ? Oui, tout ça. Depuis le début de la rue jusqu'à là-bas. Oh putain, désolé les gens. Ah, t'as eu un petit problème là. Ouais, c'est ma manette, elle bug. Merci, la super manette. Même voilà, là, on arrive au bananier. C'est magnifique quand même ça. Même si j'aime pas trop les bananes, je trouve ça. Moi j'aime bien. Mais bon, j'ai vu que.
en Australie, ça se vendait très bien. Que du bénéfice, ça se trouve, c'est. Ah bah ouais, attends. Bon bah du coup, on va rentrer par là. Du coup, on va y avoir un tracteur, un camion, ce qu'il faut. Ah ouais. J'ai pas envie de le déplacer. Ouais, c'est la flemme. Comment ça va une machine comme ça, là? On va sur 10 000, 15 000, hein. Ah ouais, quand même. Voilà, voilà, on a tout ça. Ah non. On a de quoi faire. Bon, on va commencer le boulot. Voilà. Hop, on va aller découper les arbres. C'est nickel, franchement, ouais, c'est super. Parce que là, je t'avoue que... Merci, hein. Parce que ça fait un peu loin. Ça là, fatigue. Je crois que si on veut pas s'endormir au volant, mon gars, ouais. Faut pas faire encore trop de route, hein, parce que là, on est pas loin de... Ah ouais, là... Là, on a coupé pas mal de bananiers. Ah ouais, en plus il commence à pleuvoir. Combien les bananiers là? Comment? Environ. Combien on a fait de bénéfices aujourd'hui? On a fait 10 000 faciles avec les bananiers. Et encore, c'était que 2 rangées. Ah, je crois là, on avait bien... On avait bien 800 kilos, une tonne de bananiers. Ah ouais, facile. La distance, elle était courte. Facile. Et vu que c'était court, on n'a pas utilisé trop d'essence, donc ça va. Ouais, tranquille. Tranquille, tranquille, ouais. Ah, et puis il avait l'air d'être content aussi, le pion, donc ça fait plaisir. C'est nickel. Parce que c'est vraiment pas cher, hein. Parce que par bananier, il y en a au moins une dizaine de bananiers. Ouais. Ça fait vraiment pas cher, en fait. Je pense qu'il va se faire une petite marge, tu vois, enfin, comme tous les commerçants. Ouais. Il y a moyen. Ah bah ouais, forcément, mec. Tant qu'il en veut encore, c'est... Bah ouais, tant qu'il en veut encore, c'est nickel. Hey, autant pour moi. Ouais. Il a freiné, j'ai pas. Je pense que c'est pas... Ouais, il a freiné un petit peu d'un coup. Ah d'accord, pour au final pas tourner. Ah bon bah... Ah non mais d'accord, non mais... Ah non mais il tourne à gauche, après il tourne à droite. C'est sérieux. C'est ça, il a trouvé son permis dans un arbre. Oh, yeah. Ah, je vous jure, les gens de nos jours. Ah, ça y est, on arrive, on n'est pas trop loin. Ouais, on commence à les voir direct. Aïe, aïe, aïe. Le klaxon, il allait passer vite. On va tourner. Ça va, j'ai bien me reposer. Ah ouais, on va bien dormir là. Voilà. On avait cette petite maison déjà dès le début. Ah bah nickel. On peut dormir là, hein. Ouais, nickel, t'inquiète, on va dormir. Merci, hein. Merci du coup. Super sympa de nous loger. On va se carrer là. Rentrer, c'est par derrière, il y a une entrée. Vous pouvez vous carrer là-dedans. Juste ici derrière, regardez. Tu es entré, regarde. Je pourrais rester ici devant si je veux. Moi je garerai là pour protéger les camions. Bon bah moi je rentre, je vous dis à demain. À demain. À demain. À demain. On va bien dormir là. Alors on va bien dormir, donc voilà. S'achève notre deuxième journée dans notre boîte. Et voilà, on a pu embaucher quelqu'un. J'espère que ça vous aura plu, les gars. Lâchez un maximum de j'aime, abonnez-vous à la chaîne de Clemso. Et sur ce, je vous dis ciao la bise pour le prochain épisode. Ciao les potos.